C'est incroyable, c'est exceptionnel. Je suis HP, exactement. Je résous des problèmes sans même les comprendre. The machine you're looking for. Ouais. Is that the only chance you have? The only solution your mind has decided upon? Then there's only forward, isn't there? Mm-hmm. Let's go! Oui! Mirren's workspace awaits. She's rather special. The one who started all of this, with good intentions no less. Tu retournes la photo pour que la batterie tombe sur le sol. Ah. C'est pas mal ça, c'est smart. Well, she really loved this place. Wow. Imagine, t'as le pouvoir de créer le monde que tu veux et tu crées un monde où il pleut. Je vis à Paris tous les jours, j'ai pas besoin d'un monde comme ça. Hein. Un monde imaginaire comme ça. Hein. Mettez-moi du soleil, mettez-moi des palmiers. Encore une ambiance de tchatcheur. Mirren was passionate about her studies. Oui, F égale E, XP, moins Y, 2, 20, yo, Z. Vous comprenez là les mathématiciens? Mettez vos lunettes. Oui. Oui, Q sur U. Oui, F sur O, Y. Racine carrée de 2 pi. Oui. Oui, je comprends. Je comprends tout à fait. Oh, le chat! Mais oui. Tout à fait. Un monde où il pleut, mais où la pluie ne mouille pas. Ah, c'est vrai. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'il pleut? Enfin, je veux pas paraître un peu... un peu casse-délire, hein, mais c'est clair que du coup, à quoi ça sert, quoi. Enfin, qu'est-ce que tu ressens sur ton visage si tu n'as pas l'eau qui mouille? I'm rather fond of this structure. It makes me feel tall. Higher and higher we go. Moi aussi je peux le faire en écrire des nombres, des lettres en, avec des parenthèses et des... hein, je peux le faire. Dans le vrai monde, la pluie, il y a du vent, c'est humide. T'as la gueule en sueur quand tu vas sous la pluie, c'est vraiment pas très très agréable. Mais c'est vrai que dans les films, c'est Mimi. Alors, il me faut deux batteries. Et sans oublier les caisses claires. Avec des 100 balles. Those structures back there, they eluded mirrors. Unusual things, but useful in their own way. Ah, j'en étais sûre qu'on pouvait pas les prendre en photo, je le savais. Il semblerait qu'elle se propage, ça ne m'inquiète pas. Ok. D'accord. Bon, on peut prendre les batteries en photo, génial. Oh ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Toutes les stratégies que j'utilisais jusqu'à présent, je peux plus les utiliser là, c'est ça? Et voir le sol. Même lui, je vais pas pouvoir l'utiliser, tu vois. Ah. Quand même, quand même. Ah oui, pas mal. Et hop. Give me this. Youpi!
Non, en vrai, je suis d'accord. Un monde où la pluie ne mouille pas, ça peut être stylé, mais par contre, ça n'a pas de plantes. Et c'est compliqué. Un petit ciel bleu, mais oui, The Dream. Je me demande si je fais bien les levels à chaque fois, parce que j'ai l'impression de passer à côté du problème. Vous ce que je veux dire? Je me demande si je fais bien les niveaux. Mais bon, j'ai l'impression que c'est... De toute façon, tant que tu réussis les niveaux, c'est le principal. Salut Fer, ça va? Incredible. The system is self-learning, ever-growing. It can be used to build structures, new buildings, supported on its own energy. This could truly help push the principles of my research to new heights. I need to show this to Haraya immediately. What a fond memory. Mirren was so excited about her work. Ambition is an infectious thing. L'ambition est contagieuse, ah bon? Ah bon. Ah bon. Tu m'en diras tant. J'aime pas beaucoup cette structure noire là, je les aime pas trop hein. Ça a l'air un peu relou. Oh. Oh. Oh super. Oh oui. Génial. Oh, génial. Oh, d'accord, ça a supprimé le truc. Ok, je vais laisser le cube ici. Il a raison, le petit chat. Vous trouvez que l'ambition est contagieuse? L'ambition est quelque chose de contagieux. Est-ce qu'on dit adieu à la tasse chat? Adieu. Oh. C'était trop triste. Oh non, c'est trop triste. Bon, bref. Oh non, trop triste. Anyway. Architecture de filtration de l'air du violet. D'accord. Donc là, j'ai été chercher la pellicule en plus pour avoir une pellicule. Mais où est-ce que je veux aller, en fait? C'est ça ma question là, parce que je ne sais pas où je dois aller. J'aime pas trop cette ambiance là, de plein de trucs qui spawnent à côté de moi. Le chat est ventriloque, ou je me trompe, il est ventriloque, ouais. Il parle la bouche fermée. Que ce soit une bonne ou une mauvaise solution. Après tout, il y a une solution, non? C'est vrai. Faire, normalement j'ai pas les... J'ai pas les rediffusions en Suddenly, il me semble. Hein. Écoute, j'irai voir. J'ai peut-être fait des petits bidouillages hier dans mes paramètres, mais je me souviens pas avoir activé les vidéos en Suddenly. Étrange. Bon, je sais pas où aller. Bon, je sais pas où aller, c'est bon. J'arrête de jouer. Ender gifted à tier un sub tout agada tiré bas tiré bas fr. J'achète Ender gifted à tier un sub tout kuma tiré bas lh. Oh, Jinder, merci beaucoup pour les deux sub gifts, c'est très gentil. Pour kuma et tagada. Merci. Le chat a parlé d'un téléporteur, c'est vrai. Il faudrait que j'écoute les animaux plus souvent. Tu as dit? Un téléporteur. Oh! Oh! There it is. Another really poor current. Oh là là! Where's that ringing coming from? He made it! I'm so happy. Nice work. You're near the end of this wild maze. At least, as far as I can tell. The weather disruptor must be around here somewhere. It's Mirren's life work, right? She must have stashed it away. Find it, and let's get you out of there. The weather disruptor?
Mirren's life's work. I see. Mirren and the others developed a lot of potential solutions for your current climate worries. I'm sure one will be useful. Yes, I'm sure. I'm sure you noticed by now, but using film was always Mirren's idea. One of her many passions. Mm-hmm. Ce chat est étrange. Je sais pas ce qu'il représente, mais il est étrange. Attends, les rediffs sont en Summonly. Attendez, bah, je vais changer ça parce que c'est bizarre. Mais il ronronne ? No way. Oh, il ronronne ! Je vais juste mettre les... Il fait OD en non-sub only, du coup. Tonton Kalem gifted attire un sub to fair tiré bar. They have given 15 gift sub in the channel. Merci beaucoup Tonton Kalem pour le sub gift. Où est-ce que c'est, partenaire? Oh. Oh là là. Attendez. Vue d'ensemble, résumé du stream découvert. C'est fou comme c'est pas du tout instinctif. Où est-ce que ça peut être? Je vais changer ça, pas sur Tetra Only. Ça doit être là, non? Attends. Empêcher les personnes bannies de voir votre stream. Ça, je l'ai activé. Hein. C'est un peu vilain, mais bon. Je trouve ça avant 16h43. Et quand un tribunal des bannis. En vrai, j'ai toujours hésité à en faire parce que je trouve que le concept est pas... giga fun, parce qu'on revient sur des trucs un peu chiants, les gens ils sont pas cool et tout. Donc j'en ai jamais trop fait. Mais j'en ferai un jour, je pense. Ah! Attends, vous êtes là. Ah! Non. Ah le... C'est où? Mais c'est où? Mais c'est où? Pendant mon anniversaire. Je vais trouver. Bon, j'arrive pas à trouver. Mais The Non-Dream, c'est tellement dur à trouver. Oh là là. Bon, écoute. Je regarderai ça après parce que j'arrive pas à trouver. Comme une débile. Non mais pour moi après un chat c'est genre si ça fait plusieurs fois que t'es là et que t'as compris un peu l'humour et tout, faut juste savoir s'adapter quoi, en fonction des chats. Parce que c'est pas la même ambiance partout, on accepte pas les mêmes choses partout et tout, du coup faut s'adapter quoi. Mais comme dans la vraie vie, je mettrais pas ça là comme ça là. Qu'est-ce que donc? Ah, attends. Ah, faut que j'aille de l'autre côté, oui, ok. Ah, oui, pardon, c'est vrai, j'avais oublié que les trucs, ils se... Oui, les éléments des photos sont actifs, mais ça supprime plus ce qu'il y a derrière, parce que c'est des trucs bizarres, là. Et les trucs noirs, en fait, ça se voit pas. Perfect. Voilà. Elegant solution. Eh oui. Une solution élégante. The Dream. Et hop. Et hop.
equip. On peut voir. Looking around me now almost feels like seeing into the future. How exciting to think that one day our cities could look like this, could breathe like this. It's never too early to change the world. Mm-hmm. C'est bon. Normalement, n'importe qui maintenant peut regarder mes VOD. Always taking new information. Je me souviens pas avoir changé ce paramètre, mais du coup, c'est bon, c'est désactivé. Alors, objet 14. Projet de croissance du violet. Ok. Objet 32. Wow, qu'est-ce que c'est que ça? Je pourrais même pouvoir regarder dans le microscope. All this work, I see now that it's only part of the solution. What we need is a grounded catalyst that can place full control over the atmosphere directly into our hands. A machine to offset the RISE project's nitrogen emissions. The missing piece of the puzzle that will bolster the architecture's weaknesses. Kate, can you archive this batch of results? I've a brilliant idea that I need to diagram. Mm-hmm. Ça me fume parce qu'elle met vraiment des post-it partout, quoi. Personne ne prend le temps de faire ça dans la vraie vie. Hein. Ah! Comment j'avais fait déjà tout à l'heure? Ah, mais j'avais pas réussi, je crois. Oh là là, oh là là, encore un level là. Ceux qui ont fait le jeu, ici vous avez un peu galéré ou pas? À ce level là. Ou pas celui-là, mais au prochain. Ou... Oh mais ça fait flipper, il y a des petites tours partout maintenant. Ok. Oh wow. Oh wow. Oh non. Ah, il n'y en a qu'une seule, je peux en mettre qu'une seule. Ah bon? Ah bon? Ok, bon, j'ai pas très bien compris, mais pourquoi pas? Ok! J'ai arrêté de jouer sur les niveaux de fin. Ou du moins, je pense que c'est le niveau de fin. Oh, une flemme ou... une flemme? C'est dû à quoi, du coup? Ah les bâtards, c'est vrai, j'avais oublié. On peut prendre en photo les rouges mais pas les bleus. Ah ok. Mais après, t'as pas des solutions à force qui pop? Goutte de pluie. Alors qu'est-ce qu'il nous dit lui encore? Ok, I do have a first build. I can't say that I'm happy with how it's turned out, but it is a start. That counts for something. Okay, I'll run the test just to have the data. After that's done, we'll leave this workspace behind and begin again. Mm-hmm. À tous les coups, je vais être le résultat du test. Hein? C'est moi que vous avez créé en fait, c'est ça? Je suis en train de le comprendre. Oui, t'inquiète, t'inquiète, merci Exat. Tu fais bien, tu fais bien. En tout cas, je suis trop contente de faire ce jeu là, il est génial.
plus, j'ai pas eu un seul problème au niveau de la nausée due au FOV. À la FOV. Et je suis trop contente. Je crois que c'est la première fois que je joue à un jeu comme ça et ça se passe bien de A à Z. En termes de malaise. J'ai pas de batterie en fait, donc je peux pouvoir faire votre problème. Voilà, tant pis. Pauvre, on a aidé qu'elle va cut. Oh, c'est terrible. Bon, attends, vas-y, je vais pouvoir prendre des trucs en photo là quand même. Logiquement. Donc je peux prendre quoi en photo? Ça, on va faire des tests. Ah oui. Non. Oh, le truc tombe dans le vide, quoi. Et si je fais comme ça? Attends, c'est pas si mal. Attends. C'est pas si mal. On va prendre un truc en photo random. C'est pas si mal ce que j'ai fait là. Oh merde. J'ai juste mis la photo. Non ! Non ! Ok. Comme ça? Oh non! Non! Attends. Quoi? Attends. Oui! Donne-moi ça! Non! Oh! Le jeu me fait penser à Super Liminal. Ah ouais, ouais. Mais attends, mais c'est une blague. Le truc est toujours pas tombé. Kalem, tu me parles? Vous savez que je l'entends, non mais alors lui, je l'entends gueuler, je me dis, alors attends, soit il me parle, soit il parle à quelqu'un en appel. C'est à moi que tu cries dessus là? Il m'a dit, pourquoi tu mets pas celui du bas d'abord? Non mais, je suis en plein rêve. Ah bah voilà. Voilà, t'es content? Je m'appelle Kalem. Merci Shadowty pour le 40 mois. Non mais attends, 40 mois. C'est pas possible. Merci beaucoup Shadow, comment tu vas? Mais qu'est-ce que t'as? Tu me saoules! Je mets celui du bas d'abord. T'as vu ce que ça a fait? Tu comprends le problème? Tu mets pas le sol d'abord? Mais connard! Ça fait 10 fois que tu fais ça! Tu poses le sol et après les trucs pour que ça tombe! Viens! Allez, viens! Viens montrer ta tête! Assume la tête du back-sitter! Assume! Regardez-le! Moi, en fait, je suis avec le chat. Le chat, il était comme ça en train de se mordre les doigts. Et moi, je m'autorise parce que j'ai le droit. Non! Il n'y a pas marqué! Parce que là, je suis derrière, moi, je suis littéralement derrière ta chaise. Back-sit pour... autorisé! Non! Tu sais ce que ça veut dire, back-sit en anglais? Non, c'est derrière le siège. Voilà. Mais d'abord, le truc en bas. Oui, vas-y. Oui. Ouais. Voilà. Non mais c'est pas du tout bien là. Sinon tu prends photo l'escalier, sinon... C'est vrai que... Moi j'ai mille solutions. Oh mais t'es... Toi t'es un backshooter en fait dans la vie. Mais c'est... Franchement tu as... Tu vois, les gens me demandent toujours mon métier. Ouais. En
enfin il est dévoilé. Exciteur. Eh ben voilà. Quoi? Non mais toi, ça y est là. Et lui, c'est bon là. Et voilà, il est là maintenant. C'est un piquet derrière le stream. Je suis comme ça. Non mais. Vous direz un live où il y a un mec derrière comme ça, les mains dans les poches. Il dit mais t'es nul là. Oh c'est bon, je vais y arriver. Pose le sol d'abord. Non. Laisse-moi avoir mon petit moment de gloire là. Prends une photo du sol devant là, et tu le mets d'abord. Bon vas-y, je vais faire ce que tu veux là. Est-ce que tu me saoules? Voilà. Voilà. The dream, the dream, the dream. The dream, the dream, the dream. Allez. T'es vraiment un connard. Oh le backseater de con. Well done. C'est quoi ce chat qui te déteste d'ailleurs? Elle m'adore. Allez, la pauvre chat. Moi. La pauvre chat. GG Anaï du premier coup. Ouais. Et tu me cries plus dessus hein. À travers l'appart. Eh, POV Kalem. Tu peux mettre le. Tu peux mettre le. Le deuxième en premier hein. Allez au bout de l'appart là. Comme si on était au PMU. Non mais je vous jure. Il va pas marcher. Ah mais je peux prendre en entier. Ah. Vous savez c'est quoi la blague? C'est que... les murs noirs ils comptent pas... C'est là-dessus qu'il joue pour nos brains. Wonderful solution. True freedom from. I've been pondering about your search. I'm wondering, this weather disruptor? I know of it. If I'm right, then you're not too far away. Tell me, is this your solution to heal the world? Oui. Oh, des sorties. Les saucisses. On vit dans une saucisse. Oh non. Non. Pas encore. Proposition de solution évaluée pour le concept pour la conceptrice de génie elle-même, Iraya. Position de solution. D'accord. Bon, j'ai pas lu le lore. Pour celui-là, je me souviens que j'ai galéré. Xertot, regarde-moi bien, je vais pas galérer une seule seconde. Je vais pas galérer une seule seconde. Despite the wonders of this complex machine, it doesn't solve the root problem of the increase in UV exposure and a decrease in oxygen output. It's a plaster on an open wound. I need to brainstorm further. Kate, can you note this annotation? I'm going to try something different. Actually, wait. Let's get a photo instead. Collaboration always sparks innovation. You're collaborating too, with... someone. The phone calls? They're lovely. I hope the two of you find your own sparks of innovation together too. Mon chat d'amour! Viens! Moi j'ai le droit à de l'amour, mais pendant une seconde et demie.
Après, elle s'en va. Avec un tel niveau de confiance, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? I'm a queen. Tout va bien se passer, exactement. Il faut que je prenne la batterie. Comment prendre la batterie? Si je prends par exemple le ciel et que je le mets ici. Ah, c'est terrible. Mais s'il est dans une cage en truc noir, comment je fais? Fais voir. Y a rien d'intéressant. Mais je sais, non? Mais attends. Xatot. C'est ça? Attends. C'est genre... Oh, j'y ai tellement cru! Oh, ça aurait été The Dream. Oh, ça aurait été The Dream. Oh, j'y croyais tellement. Oh non, chier. Mais pourtant, attends, je suis sûre que ça peut peut-être le faire. Ah! Attends. Attends. Ah! OMG! Un raid exceptionnel! Ava, merci beaucoup pour le raid OMG. Normalement, vous voyez des petits feux d'artifice sur l'écran qui sont arrivés quand vous êtes arrivés. Merci beaucoup! Waouh! Bienvenue! Salut, salut Arturito! Salut Lost Shine! Salut Mia Mia! Salut Lynn! Hello! Nous sommes en train de faire un jeu qui s'appelle Viewfinder. Vous l'avez peut-être déjà vu. C'est un jeu qui joue sur la perspective, qui a des énigmes qu'il faut résoudre. Et on fait ça depuis 3 heures, je crois. Et j'adore ce jeu, je suis fan. Et là, on vient de résoudre une énigme en 2 secondes et demie, je suis trop fière de moi. J'essaie de vous expliquer un petit peu le concept rapidement. Vous allez voir, c'est assez cool en vrai. Franchement, je vous le conseille à le faire. C'est très très chouette. Hein. En tout cas, merci beaucoup pour le raid. Bienvenue à vous. Vous étiez sur quel jeu? Qu'est-ce que vous faisiez de beau aujourd'hui? Salut Matt. Salut Kimok. Salut Blegan. Hello. React? Ok, ok, cool. Cool, cool. React sur un sujet en particulier? Moi j'aime trop les React parc d'attractions. Hier j'ai failli regarder un documentaire sur Europa Park, je me suis retenue. Je me suis dit, ça pourra faire un stream incroyable. Parce qu'on regarde du parc d'attractions ensemble, donc je me suis retenue, mais c'est le genre de React que je kiffe bien. Les parcs d'attractions, j'adore. Tellement précis, mais j'adore. Ouais, ok, donc, on vient d'arriver dans un niveau. Je vais vous expliquer, et avant ça, merci encore pour les raids, c'est très gentil. Donc, comme vous le voyez, il y a un téléporteur. Ça, c'est le téléporteur, c'est notre objectif. Pour l'alimenter, il nous faut un nombre de batteries qui est affiché ici. Là, il nous en faut 4. C'est la première fois qu'il en faut autant. Et il faut les mettre sur cette petite truc, sur ce petit truc noir. On a un appareil photo avec lequel... on peut prendre des photos. Ok, elle va se matérialiser cette photo et on peut la mettre dans le vrai monde. Ok. Et en gros, il faut qu'on joue avec ça pour résoudre les énigmes qu'il y a autour de nous et réussir à mettre les 4 batteries là-dessus. Donc là, je vais revenir en arrière pour supprimer la photo que je viens de faire. Parce que comme on peut le voir, moi je le vois, mais vous ne le voyez pas, c'est pas très bien. Ok. Comme vous le voyez sur mon appareil photo, j'ai qu'une photo en stock, donc il faut bien que je fasse attention. Et petite particularité avec tous les niveaux qu'on a fait avant, en fait là on comprend que... vous voyez cette cage noire, je peux pas la prendre en photo. Et je peux pas passer à travers avec les photos. Donc en gros je dois jouer avec ce qu'il y a à l'intérieur. Et je sais plus, j'avais réussi en prenant la photo de ça tout à l'heure et en mettant du coup ce truc là à l'intérieur de la cage. Et je crois que c'est ce que je vais faire aussi ici. Ou comme là c'est une pile rouge, en fait je vais réussir à la rechercher en fait. Tout simplement. Bon c'est un peu... c'est un peu conceptuel mais au bout de quelques fois on s'y retrouve, je vous promets. Hop, donc là je récupère à nouveau une petite pile de photos.
Et là, j'essaie de comprendre où est-ce qu'est la suite du niveau, parce que je comprends pas bien comment je suis censée en avoir 4, en fait. Ah, attendez. Attends. Si je les prends les deux en photo, là, comme ça. Attends. Comment je fais? Oui, et là j'en ai 3. Et du coup j'en aurais 3. Ouais, j'en aurais pas 4. Il m'en faut 4. C'est ça le problème. Ah. Attends, comment je peux faire? Il me faudrait une autre pellicule. Ah si, c'est bon. Attendez. Attends. Donc là, vous voyez, j'en ai 2. Si vous avez des questions sur le jeu et tout, n'hésitez pas. Viewfinder, le jeu. Le nom du jeu. On me l'a conseillé, c'est un viewer qui me l'a conseillé il y a quelques jours. Et j'avais retenu le nom et j'avoue que je suis trop contente de l'avoir joué, de l'avoir essayé là. Je suis trop contente. Donc là, j'ai 3 trucs. Il faudrait que je prenne celui-là. Je pense que ça se joue... En fait, il faudrait que j'aie une autre pellicule, mais j'en ai plus, quoi. J'en ai plus. Ça doit se jouer avant, là. Je dois pouvoir réussir le niveau assez... pas facilement, mais... ça doit se faire comme ça, là. Je reviens en arrière. Je pense que ça fait pas du bien aux yeux pour les personnes qui sont photosensibles, mais... attends. Moi je pense qu'il faut que je réussisse à prendre en photo à la fois ça et ça pour dupliquer et avoir les deux. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, c'est quoi ça? Vénus. Ok. Non? Oh! Bien joué, messieurs dames, nous avons trouvé la solution. Oh, coucou chocolatine, ça va? Ah oui, alors non, franchement là c'est du beau boulot. Là c'est du beau travail, on a dupliqué la pellicule. Et comme ça du coup on en a plusieurs. Oh là là, comme ça on a le nombre de photos qu'on veut en fait. GG, bien joué. Donc là on peut faire ça à l'infini en fait. Ah oui, d'accord, oui. Ah oui, effectivement, oui. Oh là là. Clean. Hop, on recommence. Ah oui, d'accord. Moi, j'étais partie sur un problème spatio. Et en fait, c'était pas du tout ça. Oh, ce dream. J'ai l'impression d'avoir un QI de 1000. À chaque fois, non. Oh non, quelle erreur. Attends, en soi, en vrai, il y en a déjà 3, donc c'est ok. Ah, let's go, je suis trop contente. J'ai vu que quelqu'un avait dit que le pseudo de quelqu'un était problématique. Je me suis dit, attends, mais de qui il parle? Chocolatine est problématique? Bon, c'est vrai que chocolatine... Personne dit ça, quoi, mais bon, bref. C'est génial ce jeu. Ah non, mais franchement, moi je suis étonnée. Et puis franchement, des fois, ça, vraiment, ça vous retourne le cerveau. Donc si vous avez l'occasion de le faire, franchement, n'hésitez pas, quoi. Des fois, tu te fais brain par un concept et tout, et des fois, c'est un autre. Enfin, tu vois, ça varie et tout. Donc je trouve ça grave chouette. À tous les coups, je vais devoir dupliquer ça. Il y a une petite radio. It's brilliant. A great way to communicate. It's interesting, that's sure. Does this mean when I practice my guitar, you'll be able to give it a listen? Let's not push it, all right? J'essaye de comprendre le lore du jeu. Oh, trop mignon! C'est sa niche. Oh! C'est sa niche. Il a une vieille télé en guise de niche. Oh, trop mignon.
Je peux lui prendre sa souris ou pas? Je peux le caresser. Il est trop mignon. Chocolatine est un terme local. Donc pas de discrimination. Non, puis surtout, c'est quelqu'un de ce chat. Une streameuse très sympathique. Donc attention. Ok, donc là, je dois activer des trucs. Alors qu'est-ce que ça fait, ça? Qu'est-ce que c'est? Ah, ça s'active quand il y a de la musique. C'est ça? Oh, waouh, c'est ça. Ah oui, donc j'avais raison quand j'étais là. Pourquoi faire compliqué? Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, hein? Super liminal, je l'ai jamais fait. Et plusieurs fois, je voulais le faire. Mais je suis contente d'avoir fait ce jeu-là avant. Enfin, avant, ou je suis contente de l'avoir fait tout court, je crois. Je suis très très contente. Et puis d'ailleurs... S'il y a des gens sur ce stream qui viennent d'arriver ou qui étaient déjà là, qui ont des problèmes sur les jeux qui sont en première personne, qui ont des problèmes en termes de nausées, comme si vous étiez sur un bateau, quand vous êtes sur un jeu à la première personne, où ça va un peu vite, du genre Sea of Thieves, Minecraft des fois, ou tous les jeux comme ça là. Personnellement, j'ai réglé... Ouais, de fauve. Ben voilà, j'ai réglé le problème avec la FOV. Donc si jamais des gens du chat le savaient pas, bah... voilà, au moins comme ça vous le savez, parce que... C'est vrai que ça m'a souvent embêté parce que je streamais vraiment pas très très longtemps sur certains jeux. Alors que je les aimais bien. Justement à cause de ce problème. Oh, c'est quoi cette blague? Je dois l'envoyer là-haut, là? Ça marche pas. Ok. Ah. Attends, je vais aller depuis là-haut, je pense. C'est-à-dire, bah, si vous êtes quelqu'un qui a des problèmes de nausées, on joue à certains jeux en première personne. Bah sachez que personnellement ça m'a aidé de changer la FOV du jeu, donc le champ de vision que vous avez sur le jeu. C'est ce truc là, pour ceux qui savent pas. Alors c'est la taille de la police, ça n'a rien à voir. Voilà, hop. Donc là, je suis un peu malade, enfin je sais plus à combien j'avais réglé, je crois que moi je suis au max là. En gros j'ai reculé, j'ai mis au max la FOV. Et ça m'a grave aidé parce que quand je suis comme ça en fait, moi c'est pas possible. Voilà, ça peut régler le problème, après c'est pas forcément ça. Mais si... Vous avez des fois le problème. Moi, ça m'arrive. Ça m'est arrivé. Et je suis contente d'avoir réglé ce problème, justement pour jouer à ce jeu en partie. Comment je suis censée foutre une radio sur le mur? Comment suis-je censée faire? Attends. Attends, je sais. Je vais la mettre là. Je la mets là. Ça marche si je la mets là. Je la mets là. Et là, attention, le jump. Oh oui. Let's go. Ça a fonctionné, j'ai alimenté tous les trucs. Donc normalement c'est bon. Ah oui! Oh! Sublime. Et c'est parti! Je suis trop forte, mais je suis... J'ai 400 de QI sur ce jeu, je vous jure. Mais quand je suis pas malade en fait, quand j'ai pas la nausée sur un jeu, ça m'arrive de réfléchir. La FOV qui change absolument tout. OMG, la FOV qui change absolument tout. A beat that just makes you wanna get up and dance. And also power a teleporter out of here. Yo, 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 yo. Je me transforme en Lutti là. Oula. Et la personne qui fait les post-it a pété un câble.
Honnêtement, j'ai un peu l'impression que Viewfinder, c'est super liminal, mais en plus poussé. Bah en fait, ce qui est sympa, je trouve, sur le jeu là, c'est qu'il y a un changement de... Il y a un changement de... Comment est-ce qu'on dit ? De mécanique assez fréquent. T'as pas le temps... À peine tu commences à maîtriser une mécanique, il t'emmène sur autre chose et tu te fais surprendre. Et franchement, c'est chouette de fou. C'est chouette de fou. Je suis contente d'avoir découvert ce jeu comme ça. Oui, X égale Q sur 2pi. Oui. Bon, attends. Ah, faut que je duplique ce truc. Je le prends en photo, donc. Comme ça. Et là, je le mets ici. Comme ça, ça alimente ça. Et c'est fait, là ? D'accord. Let's go. Let's gong, comme disent les jeunes. Oh, on m'appelle. Good to hear from you, bud. You've got to be close now. It must be coming up. Man, I wonder why they abandoned this place. Everything has been so bizarre. Well, I'm sure we'll find out soon enough. Go for gold. Elle me fait flipper, Jessie. Oh, yes. Mirren's final project. I had nearly forgotten. I think... Never mind. You still have some way to go. Let's carry on. C'est bizarre ce qui se passe sur cette planète. Je vous le dis. Vous savez, je vais vous dire ce que je crois, moi. Je pense qu'ils ont fait un projet où la planète, elle devient... où elle s'auto-suffit et où nous, on disparaît petit à petit. Et c'est pour ça que les personnes qui parlent dans les gramophones, là, ils sont plus là. Regardez mon chat comme il est mimi. Mon bébé d'amour. Oh, t'es tellement grande. Elle me hait. Mais tu es tellement immense. Tu as grandi. Tu as tellement grandi. Viens. Oh, this has to be it. The rods work to absorb weather conditions. Tu joues au jeu, toi? Ariel, non. Assisting to promote rain or snow. Tu as voulu saboter ma game? Oh, je savais que tous les chats étaient diaboliques à ce point-là. C'est pas possible. Ok, bon. D'accord. Encore le système avec la musique. Ok. Bien œil bigard. Bigard. Oh l'angoisse. Mais attends, mais c'est tout le temps le même fonctionnement, quoi, finalement. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Ah, je peux pas les dupliquer, voilà. Ok. Donc, je ne peux pas dupliquer, comme c'est des trucs bleus. Quand c'est bleu, en fait, je peux pas prendre la photo. Ça va pas se retranscrire. Et... Oh. On va pas le voir sur la photo. Et pareil, quand c'est une texture un peu noire, comme ça, un peu chelou, je peux pas le prendre en photo non plus. Donc là, c'est étrange. C'est étrange. C'est étrange. Est-ce que je peux pas changer de filtre couleur à un moment donné? Je vais essayer d'aller là. Et je suis remontée vachement loin là. Ouais. Des filtres de couleur quelque part. Je me crois où, moi? Je me crois à Disneyland. Mon petit chat. Ah, il y a une photo. Ah bon, il y a une photo. Je dis pas vrai. Je dis pas possible. C'est cheaté, votre histoire. Attends. Ah, je vais devoir faire... Ok, d'accord, j'ai compris. Il faut que je fasse... Je fasse comme du relais, quoi. D'accord, oui. C'est un relais géant. Oh.
Ouais. Super. Alors. Son et vapeur, son et vapeur, son et vapeur. D'accord. Oui, mon chat. Je me souviens que j'avais pu, mais je ne sais plus où. Ah. Oh, ça c'est super. Oh oui. J'adore les cartes comme ça. Oh. I wonder, is this how your world appears from a bird's eye view? It's rather spacious. Does it still look like this? Comment je fais? Je suis bloquée. Attends. Mais c'est trop loin. C'est une espèce de petite route avec... C'est trop mignon. C'est trop mimi. Ouais. C'est trop mimi, j'adore quand les trucs... Non! Arrêtez de me faire tomber. Ok. Ah merde! Ah, il faut que je reste là. Alors, il faut que je sois très rapide. Attends. Ok. Je vais mettre là comme ça. Non. Je vais le mettre. C'est encore plus loin. Celui à l'initiale. Attends, faut que je le mette dans l'autre sens en fait. Voilà, faut que je le mette là. Ah. Attends, je vais reprendre la photo. Voilà, c'est mieux. Et je reprends la photo. Et normalement, si j'arrive à faire un truc un peu comme ça, mais là je vais marcher sur du... C'est le problème, hein. Peut-être que je dois prendre ça plutôt. Peut-être que je le mets dans l'autre sens. Ah non, ça marche pas. Attends. Attends. Faut mettre le chat dessus. Et j'adorerais que votre idée soit vraie. Ce serait The Dream. The Dreamy Dream. Là, si je cours très très vite. Non, ça marche pas, ok. Fais voir le minou. Tu veux pas aller dessus? Eh bien. Ramène-toi. Et si je mets tout simplement un objet? Non, ça marche pas. Ou alors peut-être... Attends. Et si je mets cet objet-là et que je le retourne? Oh! Oh, ça aurait été du génie. Come on. La tasse ne fait pas le poids d'un humain, je comprends pas. Ok. Ah, peut-être la carte. Elle est où la carte? Dans ma main. Peut-être la carte, ouais. J'y crois pas trop, mais bon. Non. Tout reste parfaitement figé dans les airs. Bon. Attendez, il doit y avoir une solution. 5 photos, c'est quand même énorme. Moi, je pense qu'il faut qu'on prenne de la hauteur. Qu'est-ce que vous pensez que cette théorie-là? Je pense qu'on doit prendre de la hauteur.
On doit prendre de la hauteur. C'est un peu trop haut. Voilà. Alors, je vais essayer de prendre une photo. Oui. Il y a le lampadaire qui est en plein milieu. Alors, voyons voir. Ça marche pas! Non! C'était tellement probable. Non, ça marche pas. Je vais voir si je fais vraiment comme ça. Perspective aide. Comme ça. Allez. Ok, ok. Vous êtes prêts? Let's go. Nice. C'est stylé. Ah, c'est vraiment stylé ce jeu. Ah, une photo. Encore le même système que tout à l'heure. Ouais. Alors. Ouais. Est-ce que ça marche? Ok, ça marche. HPI. Oh, j'ai plus de piles. Oh no way. Oh no way, j'ai plus de piles. J'ai plus de pellicule. No way. Comment je suis censée faire? Ah, attends. Attends. Ah, je crois que je sais. Parce que quand je prends la photo, le truc il est encore en route en fait. Oui, c'est ça. Ah, une photo du téléporteur peut-être. Non, c'est pas possible parce qu'il est bleu. C'est pas possible. Je le savais. Ça marche pas? Attends. Pourquoi c'est aussi loin que ça là? Attends, faut vraiment que je me mette plus loin. Voilà. Mais bon. En fait, ce qu'on peut prendre, ce qui est pris en photo, ce qui est prenable en photo, c'est les murs blancs et les batteries ou tout ce qui est rouge. Et quand c'est bleu et que c'est gris sombre, on peut pas les prendre en photo. Oh, une photocopieuse. La photocopieuse. Non. Oh, attends, c'est génial. Je veux dessiner. Je peux pas dessiner. Oh, j'aurais tellement voulu dessiner. Je peux faire une photocopieuse. Une photocopie, je pense. Professional. On va explorer Paint 3D. Paint 2D. Oh, la photo du shark. Le shark.jpg. Avec le chat. Oh, je suis buggée. Oh, c'est génial. J'adore le RP. J'aimerais trop que ce soit cliquable. Oh oui! Ah! Mon rêve! Ok, on dessine quoi? Alors. Oh, thank you. I'll cherish this. Un petit chat?
Oh non! Je vais tellement perdre de temps sur ce truc. Je vais tellement perdre de temps sur ce truc. Ah. Et on va lui faire un corps. Tic, 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 tic. Oh, wow. The Dream. Et qu'est-ce qu'il dit le chat? Il dit... hein. Oh non. Comment je peux lui faire dire miaou? D'une façon très logique, d'une façon très compréhensible. Mi-ya. Ouh. Miaou. Ouais. Miaou. The Dream. Il est trop mignon le petit chat, j'adore. Bon voilà, petit dessin. Maou, ton chat anorexique. Non, il s'étire, c'est pour ça. Qui c'est qui recoule depuis tout à l'heure là? Ro ro. Non, attends, c'est un level entier. Ah, mais attends. Attends, mais... Ah, mais d'accord. Ah oui. Attends. Attends. Oh, mon cerveau. Ouais, c'est ça, construis ton propre level. Eh, vas-y, démarre-toi. Et puis voilà. Hein. Je peux encore faire des photocopies ou pas? Ouais, je vais en faire. Hein. Je pense que... On va en faire deux autres et ça ira bien. Ok. Alors. C'est peut-être pas par ça qu'il faut commencer. Par ça. Ensuite. Ça. Et ensuite. Ça. Ok, bon, en espérant que ça marche. Donc là, je fais le son pour lui. Il fera le son pour lui et qu'il faut le son pour lui. Let's go. Weather is truly a fickle thing. Ouais. The climate can impact every living and non-living thing. Impossible questions. Mon chat. And impossible solutions. The hold it can have on someone. GG là, Chim. We go again. La taille du cerveau gigantesque. Immense aux ors. Mmh.
Oui, ma fille. Oui, mon bébé. Elle veut manger un Skittles, elle, maintenant. C'est quoi ce beans? Non mais... Je vais bouffer les Skittles. C'est ça. C'est trop mignon. Tu ne mangeras pas les Skittles. Ça va, ma fille? Bon, ça a l'air d'aller. Attendez, parce qu'il y a moyen de faire quelque chose là. Attendez, parce qu'il y a moyen de faire un truc. Je vais peut-être prendre une photo de ce côté-là, avec le moins de bordure sur le côté possible. Et comme ça, je peux peut-être le mettre ici en quinconce. Vous voyez ce que je veux dire, une fouée? En quinconce. Ça, je peux faire hop, chlouk, poc, pic, poc, et là, on prie. Ah. Bon, merde. Il n'y a pas un truc pour prendre des photos, là. Non. Oh, mais dites donc. Non, en vrai, je pense que ça peut passer. Il faut juste que je le mette en quinconce à peine, mais vraiment à peine. Mm-hmm. Attends. Je peux pas sauter là d'ici? Ça ne marche pas. Ok, vous êtes prêts? Je vais courir. Ok, bon. C'est quoi le but du jeu? C'est de résoudre des énigmes. Donc là, tu vois, j'ai dans ma main un appareil photo. Je peux prendre des trucs en photo pour les ensuite les remettre dans la réalité avec une certaine perspective. Et là, du coup, bah, je dois aller là-bas avec mon appareil photo. J'ai qu'une seule photo à prendre. Enfin, je peux prendre qu'une seule photo. Sauf que c'est plutôt compliqué, puisque il est vrai... Tu vois, c'est pas là, une mince affaire. Peut-être que je dois prendre un truc en photo ici. Est-ce que vous pensez que je peux faire un gros truc? Ah mais attends, mais au pire, je peux mettre un gros machin comme ça là. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis merde quoi. Alors le problème c'est que c'est pas comme Super Liminal et ça grossit pas. Ah, j'étais bien la première fois. Hein. Un chouïa plus loin pour le premier. Je suis bien d'accord. On va essayer comme ça. Ah, avec le sol. Ah oui, bien vu. Ah, bien joué. Il est malin. Ah oui. Hop, quinconce. Vas-y, bon courage, fer. Tu vas le défoncer, le partiel. C'est bon? Ah, non, alors là, Kalem, espèce de backseater. Ouais, rigole, ouais. Bien joué! T'as réussi à me backseat un seul level! Quoi? Sans moi, tu serais encore au level 1 avec le pont là. Je me souviens même pas de ton pont. M'en fous, je me souviens pas. Ah oui, j'avais supprimé la moitié de la map avec le pont. Oui! Le backseat IRL, non mais depuis tout à l'heure. Je vous dis, hein, des fois il a une idée comme ça de résolution et il me le crie comme ça à l'oral. Là il l'a pas fait, il a dû se retenir. Et il me dit,
Hey, pourquoi tu t'essaierais pas de... C'est très drôle. Est-ce que je photocopie 15 fois la même chose? Peut-être. Mmh. J'ai l'impression de travailler à la compta. Je suis en train de faire la compta du dernier dossier qu'on a reçu la semaine dernière. Donc c'est important de bien rester organisé. Où est-ce que je dois aller là? Chouamana. Ah mais je dois aller en bas. Oh! Attends, je peux faire du... Je peux faire un air jump. Hop là, même pas besoin de construire. Pense à dormir de temps en temps ou je récupère ça. Oh le café, non. Ah la Terre, différentes planètes. Je dois encore refaire un jump? Oh oh oh! Ce n'est pas ce que je voulais faire. C'est quoi ce level? Qu'est-ce qui se passe dans ce level? Je vais aller au-dessus? Ah non, je dois sans doute... Ah oui, voilà. Ah oui, d'accord. Ah oui! On en est là. Elle tombe quand même par terre, la batterie. Oh là là. Tu peux me faire une photocopie du compte-rendu de Réu, please? Je te fais ça tout de suite, oui. Ah! Ok, bon. Oh! Ok. Ouais. J'ai récupéré une batterie. M'en faut combien? M'en faut une. Let's go. Désolée, j'arrête pas de bouffer des Skittles, mais j'adore. Ok, on va recommencer mais ailleurs, hein, parce que là ça me fait peur cet endroit. On va prendre le monde coloré. Et on va le mettre à l'endroit. Oh. Hop, voilà. Il faut que j'arrive à marcher jusque là-bas. Mais là j'ai plus de photocopie du coup. Non mais... Attends. Voilà. Ok. Oh là là, mais c'est The Non-Dream là, ce niveau. Bon, attendez. Je vais faire toutes les photocopies possibles de ce truc là. Allez, on les fait toutes. Allez, c'est parti. Moi, autant te dire que là, j'enchaîne les photocopies. Le ban, c'est le foot dehors, je pense. C'est ça. Ça dégage. Voilà. Là, je pense qu'on aura assez de trucs. Fermez ma batterie. Ah, je fais n'importe quoi. Non. Vas-y, moi les trucs où on veut faire un level entier pour résoudre le problème. Ok, bon. Alors, je pense que j'ai déjà envie de régler le problème final. Attends, mais le truc est rongé, là.
Oh là là, the nom, messieurs dames. On va y arriver, je le sors. Alors, on va faire un truc. Pour que ce soit plus simple, dès le début, hop. On prend le truc où ça marche tout droit, comme ça c'est limpide, efficace. Ok. Ensuite, là au-dessus de nous, je vais faire tomber la batterie. Je vais essayer de mettre la batterie ici. Ah, pas tombé comme prévu. À peine moins. À peine plus sur le côté. Comme ça, voilà. Je pense que ça, c'est une bonne idée. Donc là, on a la batterie. Ok. Ça, c'est fait. On est revenu au point de départ. Parce qu'à la base, on avait une batterie, mais j'avais plus assez de photocopies. Ok, maintenant, je mets ça comme ça. Je veux aller là-bas. Non, attends. Je vais pas mettre ça comme ça. Je vais mettre ça comme ça. Non. Je vais mettre ça comme ceci. Et là, j'aurai toujours le même problème. Bah, en soi, non, parce que du coup, là, je peux y aller plus facilement quand même. Là, du coup, je vais ouvrir une porte. Ah, ça marche plus. Comme ça. Et là, c'est bon. Là, je vais me faire un autre petit chemin. Ah ! Non ! Comment je fais ? J'aurais dû venir avec la batterie. Oh non ! Comment fais-je ? Oh non ! Je reviens avec la batterie. Toi, il faut que je te revienne. Voilà. Je vais te mettre là. Hop. Allez, viens avec moi, toi. Hop. Voilà. Ensuite, vous, je vous mets là. Tu viens avec moi. Hop. Toi, je te mets là comme ça. Je crois que le truc est cassé, donc je le mets comme ça. Tac. Et voilà! Let's go! Elle a un nouveau micro. J'ai surtout la voix cassée. GG! Merci pour les GG, c'est trop gentil. Youpi! Youpi, youpi! Niveau 13 sur 17 terminé. Oh, c'est pas vrai! On peut mettre un filtre en négatif. Vision nocturne, arc-en-ciel. Photocopier arc-en-ciel. Arc-en-ciel. The Dream. Bon alors, ils sont où les levels qui restent là? Peut-être ça. Ils sont où? Weather is truly a fickle thing. The climate can impact every living and non-living thing. Impossible questions. J'ai le sentiment que c'est un jeu qui peut être speedrun, non? Ah oui, carrément, ouais. Il y a quelqu'un qui tout à l'heure qui disait que les speedruns étaient, enfin, ils te font perdre la tête les speedruns. Un peu comme tous les speedruns, mais ça fait mal au crâne, quoi. Où sont les prochains levels? À la portale un peu. Ouais, ouais, de ouf. Tu peux me dire où sont les prochains levels ou pas? Oh. Attendez, normalement c'est assez limpide. Tout ça, je les ai faits. Est-ce que c'est la télé? Non. Celui-là, il est fait. Ah, là, je suis pas allée. Ok.
Voilà. Super. Ah. Allons-y. Ah, une petite batterie. Je vais regarder Senzus. Voir, c'est du speedrun Viewfinder, du coup. Hein. Mmh. N% 23 secondes. Dinguerie. Ah ouais. Le pont. Le fameux pont. Ouah, non mais attends. Ah ouais. Ah ouais. Ah c'est smooth ça. Hein. Ah ouais. Oh. T'as pas fait comme ça toi? Oh. No way. Vous avez vu sa strat? Oh, je suis choquée. Bon, vas-y, on regarde pas plus pour ceux qui l'ont pas fait et qui veulent le faire le début et tout. Mais c'était tellement smooth, je suis choquée. Wow. Ok. Oh. Est-ce que je regrette le fil de couleur que j'ai choisi? Peut-être. Peut-être un peu. Peut-être un petit peu. Je sais pas si t'as 4000 heures sur le jeu, mais en tout cas, t'es serein avec ton speedrun, quoi, ça c'est sûr. Oh. Quelle horreur. J'ai choisi vraiment le pire filtre. Oh, ça réveille, hein. Oh. Non, je suis dingue. Ok, bah écoute. Il me faudrait d'autres batteries. Attendez, j'ai pas réfléchi là. On arrive à un stade où je ne réfléchis plus. Je ne réfléchis plus. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Aïe, j'ai pris en photo ce truc. Mais je veux faire de même, mais je veux faire x2. Voilà. Pas folle la guêpe. Pas folle. Ah. J'ai posé le truc, j'ai pas réussi à sauter. Attends, j'ai réussi à venir, je vais réussir à repartir. Ah oui. Allez, c'est bon, ça le fait. Réussir. Non. Mais comment je fais? Oh non, c'est impossible, attends. Attends. Et en même temps, faut bien que je trouve une marche. C'est pas une marche, ça. Une marche, j'ai dit. Ce n'est pas une marche. C'est loin d'être une marche. Une marche. Mais ce n'est pas une marche. Ok, ça marche. Ça marche tout de même. Tic. Schlouk. Hop. Et toi, tu viens avec moi. Alors, j'en étais sûre. J'y croyais tellement pas quand j'ai sauté. Attends. Voilà. Ok, donc là, j'en ai deux. J'ai deux petites cocottes. Et voilà. Et c'est un problème. C'est un problème. Attendez. Parce que là, il faut que je passe à travers ces grillages et à la fois que je fasse tourner le truc qui est là-bas. Hein.
J'ai que deux pouvoirs de photo. Wow, ok. Attendez, je réfléchis là. Les filtres, le filtre défonce les yeux, mais oui. J'ai choisi le pire filtre. Ah, ok, ok. Ah, mais je vais choisir deux en un. Oui, mais ça, c'est déjà ce que j'ai fait tout à l'heure. Téléporteur a été détruit! C'est la première fois que je le vois, ce truc. Ok. Ah, et là, je peux en avoir deux. Du coup, ça ne m'aide pas. À moins que je puisse faire une photo de tout ça en même temps, ce n'est pas possible. Pop s'y mettra. Il en faut trois. Hein. Quel dommage. Ah, je ne sais pas comment faire. Si je sais, il faut retourner là-bas. Oh, le nombre de fois qu'on a eu ce genre d'énergie de questionnement et que j'ai su répondre à la question et que là je ne sais pas. Ok, c'est bon, je me souviens. Ne vous inquiétez pas. Mais j'en ai toujours pas trois. Ah si. Je ne savais plus quoi faire là. Là j'étais foutue là. Oh, c'est fini. Ok. Ah. Ouais. GG. Yeah. Go changer la couleur. Oui. Sortir du niveau. T'as raison, Xatot. Là, la couleur, c'est pas possible. C'est un supplice pour les yeux. Et où pour le frôler ? Là, porte d'entrée. Quelle horreur. Ça, c'est stylé, je trouve. Vision nocturne. J'ai pas l'air con, hein. Je vais te faire un tour complet de ma maison, là. Bonjour, c'est moi. Je suis un peu bête, des fois, ça m'arrive. Oh. Allez, on continue. C'est parti. Oula. Ils aiment bien faire ça sur les jeux. Hein. Oh. Évidemment. Oh, il y a des miroirs partout. Oh waouh, ce level a l'air incroyable. Oh waouh. Le monde en un grain de sable. D'accord. Donc là, je rentre à nouveau dans celle-ci, puis dans celle-là. Ah non. Dans celle-ci et de l'autre côté. Voilà, sinon c'est pas le bon. Oh, ça a l'air trop stylé. Je vais juste... Ouais. Je vais juste aller voir les pixels, là.
be able to take all the principles of physics and turn them on its head. That's what portals do. To think, this is something I could accomplish with limitless resources. It's brilliant. If only it were applicable outside of here. Kate, can you hop through one? I'd love to see if you change colors. Wait, why are you running away? Kate! J'adore. Voir les trucs changer de couleur là. J'adore. C'est trop classe. C'est trop stylé. Wouah. Ah ouais. J'ai le seum de déjà changer de niveau, mais... Let's gong. Ah ouais. C'est un petit... Ok. Je peux pas y aller en bas? J'imagine que si, mais du coup là je saute. Magnificent athletic feat, and with a cat's grace at that. Ouais, il change de couleur. Scattered thoughts can be a messy thing. Il change de couleur quand il passe dans le portail, ce chat dingue. Oh, vision nocturne. Ah, oh, waouh, je peux rien faire en ayant la vision nocturne. Incroyable. C'est trop joli, hein. Donc là, j'active un truc. Ah, d'accord. Et du coup, là, j'ai juste à revenir là-bas. Comment je fais? Ah. Je prends le truc de vision nocturne, du coup. Salut, Atsu. C'est trop stylé, ce jeu. Je suis choqué. Incroyable. Incroyable. J'aime trop cette mécanique de miroir. Maze of memories and forgotten wonder. I hope your experience has been pleasant so far. To me, it's been wonderful. Attendez. Faire un truc de fou. Ah, faut que je passe dans le rouge d'abord. Ah, c'est ça, je crois. Je passe dans le rouge. Ensuite, je peux faire ça. Et là, hop, c'est tout droit. Non ? Genre ? Pourquoi c'est pas tout droit ? Ah bon? Ok. Attendez. Attends, mais comment je passe du coup là? Donc. Là je passe. Et là je passe pas. Pourquoi diable je ne passe pas? Après, je pense que peut-être que ça peut passer si je contourne à ce moment-là, tu vois. Je pense que c'est pas si important. On va essayer. Ah! Avec quoi je passe là-bas, en fait? Avec ça? Ah oui. D'accord. Ok, donc la bleue. Ah, oh, attends, chaque truc change en fonction de quoi tu passes dedans là. Donc là, le bleu c'est épais ici. Et là. Oh, attends.
Attends, donc là maintenant c'est le bleu qui est là-bas. On va essayer de mettre le bleu là. Là c'est le rouge qui est ici maintenant. Oh, mon petit cerveau. Il faut que j'arrive à mettre le bleu ici. En mettant le bleu ici, je le mets comme ça. Ah voilà. Ah, je crois que c'est bon. Je crois que là c'est bon. Ah, peut-être pas. Non. Il faut que le rouge... Il faut que je commence dans le rouge. Il faudrait que le rouge soit là. Voilà. C'est bon. Je l'ai. Oh là là. C'est tiré par les cheveux cette histoire. Let's go. Oh là là. J'ai pas compris grand chose mais... Isn't making it this far enough? Haven't you gained all the knowledge this place has to offer? This was her life's work, and it's meaningful. But it's not right. Not in the way you want. Oula! On va apprendre des trucs bressons sur ce, sur ces recherches là. Oula! Please. Oula! Est-ce que c'est pour bombarder la, la Terre, ça, ou quoi? C'est avec ça. Oula! There's a burden in knowing. One you needn't feel. Oh! T'inquiète, je pourrais le porter. Eh, vous le portez le fardeau ou pas, là, s'il vous dit ça, le chat? Moi je pense. Moi je pense que j'ai des grosses épaules. Je peux le porter le fardeau, tu sais. Là je suis censée me déplacer comme tu le voudrais. Où est-ce que je dois aller pour que le chat spawn? Ah pardon. It'll only be painful. Non. It didn't work. It never worked. It wasn't supposed to happen like this. Mirren, they were all supposed to find the answer. Okay. Don't leave. Oh, regardez son petit regard, comme il est trop mignon. Oh. Mais je reste. Je reste rien que pour toi. This isn't it. It can't be. The solution, it all made sense. The formula, the structure, this should have solved all our problems. This should have been the answer. I need this to be the answer. Why? Why isn't this working? I can't give up. Oula. Ouh, c'est quoi ce level? Oh là là. I'm sorry. When I realized what you were looking for, I didn't have the heart to tell you. Aww. An impossible solution for an impossible question. Mirren was... She was crushed. They all were. Oh no. I didn't want you to have to feel as they felt. It's a painful burden, knowing. Oh non, le petit chat. Mais t'inquiète, c'est pas grave, hein. Thank you.
Merde. J'ai sauté. Il me reste un level. Mais où est-il? C'est ça la question. Where it is? Where is it? Where is it? Oh, petit chat, trop mignon. Ah, c'est lui. Je suis bête. Hein. Oh, une pastèque. Dinguerie, une pastèque. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui. Mais il est trop mignon, ce petit chat, là. Oh, on peut encore prendre des photos. On prend les photos du néant. Oui, je comprends. Mmh. Oui, je comprends tout à fait. Est-ce qu'on mettrait pas une pastèque? On peut pas mettre la pastèque. J'ai buté la pastèque! Wouhou! Alors attends. Je dois trouver un truc plus lourd, donc je dois doubler la pastèque, j'imagine. Sauf que pour doubler la pastèque, il faut que je puisse avoir un axe qui permette de la prendre en photo. Or, ce n'est pas le cas. Très bien. Est-ce que je peux essayer? Je vais essayer de la prendre en photo. Parce que je me suis dit, hein, dans une logique... Voilà, je n'ai pas le temps de revenir avant qu'elle roule. Donc... Et si je la jette dans les herbes, je pense que c'est pareil. Ouais, ça revient au même. Après, en soi, même si elle tombe de très très haut, ouais, mais comment... Comment faire, du coup? J'ai pas de photo, j'ai pas d'appareil photo. Hein. Je vais quand même essayer de la foutre tout là-haut. Salut Manouis, ça va? Pas. Ce qui serait génial, c'est que je puisse me prendre en photo, mais je crois pas que ce soit le cas non plus. Oh, mais il est plus là, le chat! Oh! C'est vrai, il est passé où, mon petit chat? Qui m'accompagne partout. Oh! Le pauvre. Ok. Grosse journée, mais ça va. La dentiste a dit que mon hygiène buccale était parfaite. Il y a de quoi se remonter le moral, effectivement. Hygiène buccale. Ça, j'avoue, ça remonte le moral pour un sacré bout de mois, je trouve. Genre, c'est très rassurant. Moi, mon dentiste me dit le strict inverse. mon dentiste... Oh là là, j'ai dit mon dentisme. Le dentisme... Bon, le chat, vous voulez pas venir appuyer sur le déclencheur de la photo, là? Prendre une photo de moi et la pastèque? Prenez la photo, s'il vous plaît. Comme ça, j'ai plus de problème, là. Mais, comment je suis censé faire? Je ne sais pas comment je suis censé faire. Oh! Parfait. Bon, écoutez. Il va falloir juste... Mmh.
J'avoue que je ne vois pas comment c'est possible. Je ne comprends pas. Si vous avez des idées, Caleb, si t'as une idée, viens. Voilà, je t'autorise là, c'est bon. Moi, le level de la pastèque là, il m'inspire tellement à. Ah, pastèque quoi. Genre une pastèque, genre. En hauteur, il n'y a pas des trucs. Je sais plus comment on résout celui-ci, je me souviens que j'ai galéré. Il y a des fleurs en hauteur, il y a des trucs. Rapidement, rapidement. On peut pas faire un mur, un truc de photo pour bloquer la pastèque. En fait, le truc, c'est que je ne peux pas toucher l'appareil photo. Je ne peux pas le bouger. Donc il reste là avec cet angle de vue là. Sauf que là, bah, en fait, il regarde rien du tout parce que les trucs noirs, on peut pas les prendre en photo. D'accord ? Les trucs qui bougent tout seul là, comme vous voyez les textures du mur là, on peut pas la prendre en photo. Et du coup, quand je prends une photo, ça donne ça. Mais du coup, c'est le néant, tu vois. Donc, le blanc là, comme ça on peut le prendre en photo, mais j'ai pas d'appareil photo moi. Il faudrait pouvoir prendre un objet pour caler la pastèque, mais j'avoue que j'ai pas de... Je vois pas ce que j'ai à disposition quoi. Je ne sais pas. Peut-être qu'il faudrait que je réussisse à faire un mur, un espèce de sol. Blanc, tu vois. Ça, à la limite, je peux essayer. Mais bon. Un genre. Espèce de truc comme ça, là. Ah, tu vois. Enfin... C'est quand même très très lointain, quoi. Non, non, ça va, Dark Terra, t'inquiète pas si tu l'as vraiment fait. Non. Plutôt les gens qui ont des hypothèses et qui veulent essayer, mais genre ceux qui ont jamais fait le jeu pour l'instant en tout cas. Peut-être que genre dans 10 minutes, on a peut-être un petit besoin d'un indice, mais là, là pour l'instant j'avoue je réfléchis encore. Oh. Je sais pas quoi. Attends, ça va jusqu'où la photo de toute façon? Ça va jusque là. Jusqu'un peu derrière. Ah mais attends, si je la mets là par exemple la pastèque. C'est peut-être dans le champ, non? Ah les bâtards. Faire du parcours. Attends. Je vais essayer de faire un truc. On prend la pastèque. On marche dessus. On marche sur l'appareil photo. Je peux pas récupérer la pastèque. Oh non! On veut prendre en photo la pastèque alors. C'est vrai qu'il fait bon de rappeler pourquoi est-ce qu'on veut prendre une photo en une pastèque en photo. Donc, moi je veux me téléporter avec ce truc. Ça c'est pour finir le niveau. En tout cas le continuer. Mais pour ça, il y a besoin que ça soit alimenté. Et pour l'alimentation, du coup on comprend que c'est une question de poids. Et pour que le poids soit valide, il faut que je fasse soit ma pastèque. Donc tu vois, la pastèque ça fait... ce poids là, donc s'il y a double pastèque ça fera le truc en x2 quoi, ou alors moi x2, mais ça je l'ai jamais fait donc je pense que c'est la pastèque qu'il faut prendre en photo. Pas faire à disparaître la grille, non parce que c'est un truc noir, tous les trucs noirs ils disparaissent pas, je peux pas les supprimer. Moi, je pense qu'il y a un truc avec le fait d'envoyer la pastèque en l'air, mais le truc c'est que la physique est pas très... Ah.
Vite! Ah! Ça marche pas du tout! Ok. En gros, quand je prends une photo, je vois ça. Vous voyez ce que vous voyez derrière là, le truc noir et blanc? Donc en gros, je vois ça. Et puis ça, un truc derrière là, qu'on voit plus maintenant. Je viens, mais oui, je t'ai proposé. Moi, j'ai eu l'idée de faire comme ça, mais le truc, c'est qu'il faudrait deux. Ah, je vois Overwatch. Ah ouais, ok, bon, alors Kalem, colocataire. Acolyte, qui est souvent sur le live, qui va venir réfléchir avec moi pour la première fois cet après-midi, puisque depuis tout à l'heure il aime bien me backseat un petit peu, gentiment. Du coup là j'avoue que pour la pastèque... J'ai pas du tout regardé en fait ce niveau. Donc en gros t'as une pastèque... Viewer régulier. T'as une pastèque. Alors t'as des... faut deux pastèques sur le truc qui fait du poids. C'est ça. Sauf que j'ai qu'un appareil photo et il est là. Et regarde ça. Sauf que là, c'est une pente. Donc bref, il faut que tu arrives à suffisamment delay la pastèque pour qu'elle apparaisse sur la photo, c'est ça? Oui. Ok. Et donc, tu as essayé de la poser en haut de la pente et ouais, t'as pas le temps de revenir. Ok. Là, j'essaie de faire du... du parcours. Mais à partir de là, je peux pas prendre la pastèque. Tu vois, pour la balancer. Oh, si attends, tu la prends avant. Bah je peux pas monter dessus du coup. Ah c'est trop lourd. Non c'est trop. Tu comprends? Ah mais tu peux sans la pastèque. Ah non tu montes avec la pastèque. Oui. Non je pense que tu galères là, attends. Non oui je galère. C'est pour ça que je t'ai dit que tu peux venir parce que le niveau de la pastèque, vas-y. Il est tellement moins stylé que les trucs un peu... Le cerveau va le mieux qu'un, je suis pas sûr. Hein. Surtout quand c'est les deux nôtres. Attends, attends, attends. Pose la pastèque et montre-moi un peu. Là, fais voir du coup, t'as ça. Et ça roule très vite, c'est ça. Et du coup, quand tu prends une photo, il n'y a pas le noir qui apparaît, c'est ça? Oui. D'accord. Voilà, je vois ça, moi, dans ma photo. Et du coup, tu vois rien. Oh, Zaroui! Merci beaucoup pour le raid. 117 viewers, let's go! Zaroui, over. Over. Tu sais qui c'est qui a dit over? Ah, c'est over? Notre chat! Over les over! La vanne! À chaque fois on la faisait, on était en mode Zaraid, over! Attends, j'ai mis Zaro. La bise, Anaï! Et bon live! Ça s'est bien passé, ta descente en enfer en jouant Echo? Tout à l'heure, je suis allé sur son live. Ouais. Il jouait Echo. C'était pas fameux ce que je voyais. Mais attends, il y a un mec qui... Non, attends. Attends, attends. Il est en train de raid gentiment il a copié, et tu le vannes. Il a copié Monkey et il a raté son saut. Et après, je lui ai dit, super le saut. Il m'a dit, mais je joue Echo, pas Monkey. Mais t'avais copié Monkey, Zaroid. Du coup, je suis parti du live de rage parce que t'avais pas compris mon message. J'étais comme ça, j'ai fait... Je suis parti. Maintenant, j'ai pu enfin te le dire en direct live. Merci beaucoup, Zaro. Tu as raté ton saut avec Winston. Oh. Copié. Bon, ok. Espèce merci d'enfoiré. Merci encore, bienvenue à vous. Nous sommes en train de faire un jeu qui s'appelle Viewfinder. C'est un jeu qui joue sur les effets d'optique, la perspective. Et c'est un casse-tête, quoi. Ouais. C'est un casse-tête géant qu'on fait depuis maintenant 5h13. Voilà. Et là, c'est un niveau avec une pastèque de con. En sachant que vous arrivez et elle est déjà arrivée très très loin dans le jeu, donc là, c'est il y a beaucoup beaucoup ouais, de complexité qui s'est rajoutée. Mais montre-leur vite fait en posant une photo ce qui se passe. Ouf. En gros, c'est tout le principe. Voilà. Alors tout le principe, c'est, vous voyez, hop. Voilà. Ça supprime le décor. Mais du coup, si elle avait une photo avec du sol, bah ça aurait mis du sol devant ou ouais, un truc où elle peut se balader dedans. Sauf que là, le problème, c'est qu'on est sur un niveau qui est un peu plus compliqué que ça. Où elle choisit pas les photos qu'elle prend et où faut qu'il y ait une pastèque dessus. Moi, je pense que... Tu veux prendre les manettes un peu? Oui. On échange de place? Oui, vas-y. Tu deviens streamer en fait. Oui, comme ça, il m'aide à faire le dernier niveau. Ouais. C'est le dernier? Bah oui. Oh, c'est quoi ce chat trop mignon?
Ah, c'est the last level, the last level. Tu vois, attends, le dernier level, ils nous ont fait des trucs de fou avec des couleurs, des filtres, machin. Et le dernier level, c'est quoi? C'est une pastèque. C'est une pastèque de con, quoi. Laisse-moi prendre en main le jeu, là, je découvre le jeu. Ouais, t'es trop nul, Kalem, c'est chaud. Fais-nous rêver, Kalem. Kalem qui prend les manettes, attention. Speedrunning. Hein. Oh là là. Attends, j'ai posé toutes mes photos là. Oui. Merde. Comment on vient en arrière? R. R, R. Ok. Je vais vous inquiétez pas, je vais vous faire rêver là-dessus là. L'idée en fait, ce serait de prendre toi avec la pastèque dans les mains. Non, bah super. Attends. C'est trop dur. Et si tu speedrun là-dessus? Je reviens carrément au début du jeu, quoi. Attends. Speedrun là-dessus. Non, mais... Pourquoi pas, finalement, tu vois. Donc, elle est où, la pastèque de base? Non, moi, je pense, tu sais, je pense que c'est un truc skill. Non, ou alors c'est plus con que ça. Elle est où, la pastèque de base? Pour moi, c'est con. Hein. Ah, elle est là. Pour moi, c'est con. Après, ils auraient pas fait un dernier niveau con, peut-être. Non, mais con dans le sens où la solution est pas si skilled. Et ce trou, là, tu vois. Ah. Y'a pas de l'idée avec ce trou de con là? Mais je vois pas quoi, par ailleurs. Attends, je remets le... Hop là, bah suffit de faire ça. T'imagines, c'était ça. Bon, en gros, faut copier la pastèque, pour ceux qui n'ont pas compris. Faut copier la pastèque avec la photo, comme ça on pourra récupérer une nouvelle pastèque. On l'a dit for speedrun? C'est impossible, je n'aurais pas le temps. C'est impossible. Dans les feuillages, ça bloque un peu. T'as essayé genre de la caler à un endroit? Ou c'est pas un truc que t'as tenté? J'ai essayé, oui. J'ai essayé. Attends, y'a pas un rebord juste en dessous? Regarde à droite là. Regarde. Tu vois le truc? Là-bas là. Ouais. Là. Ah, tu veux poser la pastèque dessus? Ouais. Elle va juste partir dans le vide. Ok. Non, non, mais on doit pas être très loin. On a à peine commencé le niveau, mais on doit pas être très loin. C'est abyssal. Moi, je trouve que t'étais pas mal avec le coup. Oh là là. Non, ça va le faire, je te jure que tu vas en arriver au bout. Allez. Attends, mais j'aimerais bien savoir ce que c'est, quoi. Bien savoir ce que c'est. Kalem, il a pas entendu, mais c'est Arya qui a mis sur un bouton. Poser une image sur une pastèque, tu peux ou pas? Poser une image sur une pastèque? Ah, attends, c'est pas con. Vas-y, prends une photo. Ça va juste la faire disparaître, je crois. Qui a proposé ça? Qui est le fou? Le fou, on a perdu le jeu là. On a perdu. On doit tout recommencer depuis le début, Charlux. Bon bah voilà. Merci Charlux. Rigole Charlux. On peut revenir dans le temps. Super idée en tout cas Charlux. Si t'en as d'autres comme ça, hésite pas. Le mec horrible. Oh, après tout à l'heure, il arrive pas non plus. De ouf. Non mais c'est bien de proposer après. Mais ils peuvent pas faire pivoter l'appareil photo, ces gros cons. Non. Ah oui, c'est un truc, il y a des verrous assez forts. Non, c'est bien fait. Le lore est. Et si je fais ça? Voilà. Super. Attends. Tu vas voir. Ça, j'ai déjà essayé. Hein. j'essaie tous les trucs que t'as déjà essayé, c'est oui. Ça. Même ça, t'as essayé? Oui. Alors attends. Non mais il y a un... Ça t'as essayé ça? Parce que ça m'a l'air pas mal. Dinguerie. Ça m'étonnerait que le niveau soit aussi skill. Hein. Ça m'étonnerait. Hein. Y a pas eu un seul truc skill depuis le début? Non. C'est que du cerveau genre. C'est que du cerveau. Oui mais moi j'ai dit franchement il y a des moments où tu passais les niveaux j'étais en mode mais je pense que ça n'a pas été du tout designé pour être fini comme ça de base quoi. Mais...
Bon, au-delà de ça. Non, mais en fait, il faut réfléchir avec les éléments qu'on a. On a un truc en pente. J'ai vu la réponse. Non. Regarde pas. C'est facile ? En vrai, ah, c'est pas skilled. Enfin, c'est le cerveau, quoi. Putain, t'as lu la réponse, quoi. Bah, non, bah, j'ai regardé le chat, quoi. Oh, le chat, le backseat. Oui, tu vas bien finir par trouver. Est-ce que ça implique... Ah, vous êtes trop smart. Mais attends, mais non, mais c'est un mec qui a backseat parce qu'il connaît la fin ou parce qu'il est intelligent? Je sais pas, un peu des deux, je pense. Attends. Mais je vais pas regarder le chat, t'inquiète. Ouais. Oui, oui. Résiste, hein. Oui, oui. Mais bon, c'est moins drôle si tu cherches pas avec moi. Maintenant, on repasse à un cerveau, quoi. Ouais. Mais c'est sympa. Putain, la réponse. Comme ça. Oh mais c'est ça la solution. Les amis, vous l'avez trouvé. Bien joué. C'est facile au point que, enfin, en une phrase, ça a duré combien de temps? En une phrase. En une phrase. Et... genre en mode, et si on mettait la pastèque Non. En gros, tu veux que je te dise? Non. Pas la réponse, mais genre une aide. Attends, laisse-moi réfléchir. Quelque chose que je t'ai déjà dit, c'est pas skilled. C'est pas... Oui, oui, non, mais ça, je m'en doutais maintenant. Mais du coup, on est sur un truc où il faut prendre une photo. Faut prendre une photo de la pastèque. Regarde pas, hein. Le but, c'est de prendre une photo de la pastèque. J'arrive à... je peux prendre une photo de vide. Et peut-être que ma photo de vide, elle peut me servir. Vraiment pas comme ça. Ma photo de pastèque. Voir, je fais disparaître ça. Non, ce serait con. Mais je peux le faire disparaître ou pas si je veux. Je peux. Quand on veut, on peut en tout cas. Ça, c'est la première leçon. Tu vas trouver, je le sens. Il va le trouver, le chat. Que je te donne un indice ou pas? Mais c'est terrible parce que tu... est-ce qu'il y a vraiment un indice qui me permet, qui est pas trop évident? Parce que c'est ça le principe aussi, quoi. Le problème c'est que si je trouve direct après, c'est un peu nul. Ouais, non, je suis d'accord. Tu vas finir par trouver, je pense. Le problème c'est que, ouais, moi n'ayant pas fait tout le reste du jeu, on... mais je regarde vraiment pas le chat, hein. Ah mais je sais, mais le moindre mot pourrait... Ah ouais, ça, ah oui. Ça se joue sur un mot, genre. Ah ouais. C'est fou, ça. C'est pour ça, c'est assez impressionnant. Et quand j'ai vu la réponse, j'étais en mode, ah ouais, les bâtards. Utiliser le temps qui revient dans le temps. Non, ça serait con. Est-ce qu'il y a un retardateur sur l'appareil? Suffit de ça, en fait. Faut pas être con. Si je prends deux photos... Non, franchement, mais... là, t'as tous les éléments. J'ai tous les éléments. D'accord. J'ai tous les éléments. Moi, j'ai trouvé le speedrun, le jeu, du coup. Quand j'ai vu le mec speedrun, là... Ah ouais, de ouf. J'ai tous les éléments, en gros. C'est ça que tu me dis. Ouais. Je suis choquée, je te jure. Ça va faire un truc au cerveau, là. Genre, une fois que tu sais que c'est évident, genre. Ouais. Alors que c'est ça, hein. Je fais disparaître la pastèque. Non, mais attends. Pourquoi je mettrais pas... ça, c'est un fond ou pas? Non, il n'y a pas de... c'est... ça va trouver, quoi. Je fais genre comme ça, ça peut pas bloquer. D'accord. Allez, c'est The Dream. Là, c'est The Non-Dream plutôt. Là. Le problème, c'est que maintenant je réfléchis à un truc que tout le monde sait. C'est un peu énervant pour les gens qui regardent. Non, mais c'est pas énervant. C'est intéressant, je trouve, de voir comment quelqu'un réfléchit. Comme ça.
Pas mal. Le téléporteur a été détruit. Ouais, moi, là, attends. Je vais reprendre tous les éléments que j'ai, ok? Ok. J'ai une pente devant moi. J'ai un appareil photo devant la pente. J'ai une pastèque. J'ai mon poids à moi et le poids de la pastèque. Le but, c'est d'avoir deux fois le poids d'une pastèque. Ou en tout cas, deux fois mon poids pour arriver à ouvrir une porte. Oui. Donc soit j'arrive à copier la pastèque deux fois, soit je sais pas, j'arrive à me copier moi deux fois, j'arrive à copier... J'ai jamais réussi à faire ça. J'arrive à faire un trou, la pastèque elle tombe deux fois, je sais pas quoi. On est sur Portal ou on est sur... si je prends une photo maintenant, j'ai du vide. Si je prends, mets la pose la pastèque, elle descend tout en bas avant. Comment c'est possible de faire en sorte que ça s'arrête? Tu veux un peu d'aide ou pas? Ça m'énerve. Ouais, je comprends. Franchement, j'aurais bien aimé qu'on puisse réfléchir à deux. Ouais, moi aussi, mais bon, j'ai vu. Elle me fout son cul dans le nez, c'est ça? Mais ça en vrai, t'inquiète, je lis pas le chat, donc tu peux lire le chat. Je vais caresser le chat et... Je vais faire une petite rétrospective de ma vie. Donc je suis né en 97. J'ai eu une enfance franchement sympa. Mais toi tu sais là. Oh! Est-ce que ça implique de faire tourner la photo? Non. Et hop! Mon chaton sur mes genoux. Bon. Il y a un trou. Si je fais tomber la pastèque dans le trou, c'est pas possible quoi. Tout à l'heure j'ai fait disparaître quoi avec ça? Là tout est noir, je peux rien faire disparaître. Ah, j'ai fait disparaître la pastèque. Ah mais là il y a du blanc. Ça implique le trou ou pas? Dites-moi là. Non. Non. Le mec il devient fou. Je voulais une info. Il y a pas le trou. Ok, je peux continuer. Bon, est-ce que c'est à cet endroit-là de la map? N'importe où. Non mais j'ai besoin de prendre une photo ou pas? Oui. La première étape... Première étape est n'importe où. Ouais. Sur le papier. T'as avec ça en gros. Faire disparaître ça. Voilà. Comme ça on a bien l'air malin. Pas mal, non? Si je fais disparaître ça, ça servira à quoi? À rien, parce que de toute façon, mon but, c'est d'aller au bout là-bas, là. Ouais. Tu rigoles? Tu te moques de moi, là, de mes idées pourries? Non, mais écoute, je pense que... De toute façon, j'ai galéré comme toi pendant 20 minutes, donc... Je comprends tout à fait. C'est fou quand un mot se soit réglé, en fait. C'est ça qui m'étonne. Ouais. Tu peux tourner la pastèque. Ça a tout changé. Ça change tout ça. Tu me l'avais pas dit celle-là. Bon, je crois que je vais donner ma langue au chat parce que... Non ça... Mais j'ai pas envie que ce soit frustrant pour le chat en fait. Mais c'est pas frustrant. C'est ça le problème des énigmes. C'est pas frustrant. C'est peut-être un peu long et... Ouais, c'est grave long. Ouais, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est la seule énigme sur laquelle on bloque. C'est la seule de la journée qui était vraiment dure. Enfin dure. Tout dépend de la façon dont on voit le truc, tu vois. Je sais même pas en fait comment... Je... En fait, j'arrive même pas à... Je pense qu'il me faut un indice. Mais un tout petit indice, parce qu'en fait, j'ai... Je sais, là, je pense que le fait que je connais pas le jeu... Non. Bah, en fait, j'ai pas idée de où est-ce que ça pourrait se situer comme type de réponse, en fait. Non, en fait, c'est... Ça pourrait, je pense, ça pourrait être un test, même en dehors du jeu. Hein. Non, je un test jure. De QI, genre les chimpanzés être... peuvent y répondre, genre c'est ça. Non, mais en mode ça peut être une question posée random comme ça. Pas besoin d'avoir le contexte du jeu et tout, enfin, c'est juste une façon de voir le truc. Et moi je l'ai pas eu. Hein. Ça va pas te frustrer si je te donne un indice?
Oh, ça me frustrait. Ah, si je la porte sur moi. Tu la balances, yit. Qu'en pense le chat? Est-ce que le chat il veut que je continue à chercher ou pas? Mais oui, il y a quelqu'un qui a dit on a tous du popcorn. Regarde, ils sont en mode ah alors, Caleb, on galère. Est-ce qu'il y en a dans le chat qui savent pas ou ils parlent tous de la solution là tous bah, les trois? Bah, étant donné qu'il y a des gens qui l'ont partagé, je pense que bah, du coup, pas mal de gens le savent maintenant. Là, tu me dis que c'est un test de QI pour les chimpanzés, quoi. En gros, c'est ça là. Non. Non, mais c'est plus que. C'est pas forcément dans le jeu. Enfin, c'est. Tu peux trouver la solution. Donc j'ai un premier truc, moi c'est ça, c'est ce qui me stresse, c'est que tu me dis que j'ai un premier truc à faire. Écoute, avant... je peux te donner un petit indice. Ouais, si je trouve direct, attention. Un petit indice, ouais. Regarde, mets la pastèque sur la balance. Qu'est-ce que tu vois? C'est un peu plus que la moitié. Tu l'as coupé en deux, tu penses? J'aime pas ça. Si je la coupe en deux, ça sert à rien. C'est un peu plus que la moitié. Et, voilà, si, et si j'enlève la pastèque, un peu plus que la moitié aussi. C'est-à-dire que je peux en couper un peu et qu'elle est pas ronde derrière, c'est ça? Non. Oh. The non du... Attends, et là ça fait la moitié du bois. Déjà ils ont dit ça, on peut couper la pastèque en deux, c'est pas vrai. Ouais, attends, je l'ai mal coupé du coup là. Attends. Ah non ça. Ah mais j'aurais jamais trouvé en vrai. Ah ouais. Bah là. Non mais t'as vu le truc. Laisse tomber. Ah, le truc de dingue. Oh, vous êtes trop fort à avoir trouvé ça, moi si tu veux. Non mais c'est quelqu'un qui connaît le jeu, c'est pas possible. Tu coupes la pastèque quoi. Attends, c'est quelqu'un. C'est au moment où on a dit qu'on pouvait la. On a vu qu'on pouvait la faire disparaître. La faire disparaître, ouais. Et bah voilà. Ça me fume parce que c'est tellement logique. En fait, il y a un objet qui roule. Et une pente, on n'a rien d'autre. Ouais, effectivement. Transformer cet objet rond en un truc pas rond, quoi. Mais non, mais là, tu dois le mettre sur le blanc, tu sais. Ouais. Parce que sinon... Mais là, ça va faire tout disparaître, en fait. Je le mette en l'air. Ouais, oh, ok. Ouais. C'était quoi? Ah ouais, tu m'as juste donné le poids. Ouais, et t'as tout de suite trouvé quoi. Grâce ouais, à ça. C'est vrai. Ça va? T'es pas frustré? Un peu vénère quand même. Je crois que l'appareil photo, on voit l'angle pente et que j'avais calé la pastèque là. Ah ouais? Mais Xadot, t'as dit que t'avais arrêté avant la fin, ça veut dire que t'as peut-être pas tout terminé, si? Là? Ouais, non. Je crois qu'il me reste un ou deux levels, mais. Mais je vais pas les faire ce soir, quoi. Je voulais terminer le level celui-là. Qu'est-ce qu'il y a? Alors que le stream ne fait que commencer. 5h30, et je suis trop heureuse d'avoir trouvé une solution pour mes nausées là, je vous jure, à chaque fois c'était la PLS. Non, on va pouvoir jouer à Sea of Thieves, imaginez le chat, Sea of Thieves, the dreamy dream. The dreamy, dreamy, dreamy dream. Il est où le niveau suivant là? Je comprends pas, faut que tu me dises. Je cherche là. Tu veux faire? Oui. Oh. Non, t'inquiète, en vrai, on va arrêter le live ici. Ouais. En plus le chat est d'accord, on arrête le live. Donc. Pip et jambes de bois. On l'avait chanté ça! Tu m'avais montré la vidéo, on n'arrêtait pas de chanter ça. Pipe les jambes de bois! Ah la pastèque quoi, fallait la couper en deux. Ah non mais laisse tomber, le pire level du monde quoi! Hop là! Parkour! Parkour! Ouais! Parkour à banne! Bien joué! Espace de travail terminé! Exceptionnel! Non, continuez! Non, ouais, tout le monde dit d'arrêter, arrêtez, ça va vous faire du bien. Mais non, mais. Non, mais surtout que c'est moi qui fais à manger le soir, donc je dois aller préparer ces petits riz et du poulet.
Il est 18h46. Oui, mais bon. Ouais. Allez. 3 heures devant toi là, au moins. Tu veux jouer au jeu ? Non, t'inquiète. Allez. Merci Kalem. La pastèque, fallait la couper en deux là. Pastèque de con. Faire à manger Galuberite. Non, non, non. Non, c'est trop cher.